Hey, salut à tous, c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Build Brain Cells. Aujourd'hui, vidéo particulière puisqu'il va s'agir de la première vidéo invocation, entre guillemets, que je vais vous proposer sur la loterie des accessoires, puisque pour ceux à qui ça n'aurait pas échappé, depuis hier matin, donc depuis le 15 à 9h, nous avons la mise à disposition des 7 nouveaux items annoncés par Club Games il y a quelques semaines de cela, au travers donc, de la mise à jour 4.4. Donc j'ai mis quelques tickets de côté, et ben, on va se faire tout de suite quelques petites invocations en espérant pouvoir dropper du lourd. Alors avant de démarrer l'invocation, je revenais juste sur un petit sujet, puisque là justement le chapitre doré que nous avons sous les yeux m'y fait penser. Il y a un point qui a été quand même assez mal compris. Il y a en tout et pour tout 7 nouveaux items qui ont été ajoutés. Donc tous ces items, à l'exception du chapitre doré que vous avez là actuellement juste... Bien, tous ces items, vous pouvez les obtenir via des fusions random d'accessoires 3 étoiles. C'est-à-dire que vous allez dans votre inventaire, vous prenez 2 items 3 étoiles que vous avez maxés, vous les fusionnez sans mettre de boule immuable, et ça va vous donner au pifomètre l'un de ces, pas l'un de ces 7 nouveaux items, mais l'un des nouveaux items, à l'exception du chapi doré. Le chapi doré, la seule méthode pour l'obtenir, c'est d'aller dans la loterie accessoire, de faire des invocations via des tickets ou via des orbes. D'ailleurs, ça a apporté une petite mise à jour, puisque comme vous le savez, jusque-là, nous avions, au même titre que les tickets d'invocation de personnages, nous avions différents niveaux de tickets d'invocation accessoires, garantissant à chaque fois des paliers de rareté différents. Et le summum des tickets jusque-là, c'était le ticket d'accessoire 4 étoiles. Donc, étant donné que le chapi doré ne peut s'obtenir que via la loterie, il faut savoir que c'est un item qui est en 5 étoiles d'office. Voilà, vous n'avez pas besoin de farmer des poudres pour pouvoir le monter, c'est 5 étoiles d'office. Donc, le ticket d'accessoire 4 étoiles que nous avions jusque-là a été renommé pour devenir un ticket de loterie à accessoires 4-5 étoiles, puisqu'il vous permet du coup de dropper donc majoritairement des items 4 étoiles, mais peut aussi vous donner accès à des items 5 étoiles, sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que 5 items 5 étoiles, c'est-à-dire le chapi doré dans les 5 couleurs d'affinité existantes sur le jeu. Alors comme vous pouvez voir, bon, j'ai du stock, 3 tickets 4-5 étoiles, 8 tickets orc 3-4 étoiles, 8 tickets bref saoul et 38 tickets premium. Bon, il y a moyen d'espérer de dropper du lot. Je vais d'abord commencer par des tickets premium, et puis bon, on va voir si on peut avoir du bol. Bon, l'idéal, ce serait naturellement de pouvoir dropper des chapis dorés pour mes attaquants, mais aussi, si je dis pas de conneries, je crois que c'est les distributeurs Yuki qui permettent d'avoir de la pression spé. Justement, ce serait très utile pour mes persos pression spé. Donc on va voir tout de suite sur quoi on peut tomber. Bon, attends. Alors déjà, dans tout ce qu'il y a là, il y aura de quoi faire des fusions d'accessoires 3 étoiles random, mais sinon, il n'y a rien concrètement qui va vraiment, vraiment me servir. Hein. Ah si, la montre verte, si elle va me servir. La montre verte va me servir parce que du coup je me fais des équipes pour pouvoir gagner de la thune assez facilement. Donc du coup cette montre va beaucoup me servir. Si je pouvais en avoir d'autres d'ailleurs, ce serait le top. Là non, bon, on n'a qu'une cape violette 3 étoiles. Non, rien d'intéressant ici. Bon, je m'attends pas de toute façon à dropper des trucs de ouf avec les tickets premium. Hein. Ça marche un peu comme les persos. Donc bon, on a à peu près autant de... Oh putain, un Ogyoku incomplet, tiens. Un rancard seulement, endurance plus 5%. Eh ben voilà. Ça peut être bueno à passer en 5 étoiles bleues en plus. j'ai pas d'un... Ah si, j'ai Grimjou en bleu. Bon. Ok, bah un nouvel item. Et une montre 2 étoiles, parfait, bah voilà. Il m'en faut d'autres, des montres, il m'en faut 3. Donc ça tombe bien, une 5, une 4 et une 3 étoiles, donc c'est très bien. Et bah voilà, parfait. Donc l'un des nouveaux items. Donc un rancard seulement, max 20% en 3 étoiles. Après, bon bah il n'y a plus qu'à voir pour le monter, quoi. Bon bah c'est cool, voilà, un des nouveaux items, écoute, hein, on verra sur le long terme ce qu'il est possible d'en faire, est-ce que ce sera utile ou pas du tout, ça va dépendre j'imagine beaucoup des persos qu'on pourra obtenir, donc tiens, un Aoric Capitaine, et bah voilà, Shinigami uniquement, endurance plus 5%, c'est le même délire que le Ogyoku incomplet, ah bah tiens, bah allez, et puis du coup, humain uniquement, endurance plus 5 avec le Lenraku, et bah parfait. Commence plutôt bien. À voir sur le long terme ce qu'on peut faire de ces items. Voir ce que ça peut donner en les passant 4, voire 5 étoiles. Bon, écoute, on verra sur le tas. Bon, maintenant pour les tickets, à partir de là, je vais faire des singles exclusivement hein, sur les tickets. On va pas se lancer à faire des multis sur ce genre de choses. Ce serait des gâchés, ce serait con. Bon, déjà. Ok, commence bien. Nouvelle de Sairaitei. Magnifique. Le genre d'item dont je ne me sers mais absolument jamais. Mais jamais, 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 quoi. Ouais, une verte, j'aurais préféré. Voire même des violettes, ça aurait été bien. On n'est pas gâté là, hein, avec les tickets, bref, ça va. Hein. Quand je vois ce que vous avez, j'ai regardé un petit peu tout ce qui était tombé là depuis que ces items ont été mis à disposition. Il y a pas mal de chapis dorés qui sont tombés quand même. Hein. Après, il reste à faire en sorte que ces chapis tombent sur la bonne couleur d'affinité, quoi. Là, pour l'instant, mais j'ai vraiment trop de bol, moi, j'ai drop que des 2 étoiles avec les tickets, bref, ça va, quoi.
Ah, un 3 étoiles. Un reconstituant physique vert. Bon, bah écoute, ça se prend, ça se prend. J'aimerais bien avoir autre chose. Ah. Bordeaux de la justice rouge, oui, mais non. Mais, ah si, 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 ça sert bien. Et encore un Aori de capitaine, encore un bleu. Bah, décidément, je suis abonné. Alors, ensuite, bah, on va commencer du coup à taper dans le lourd là, hein, puisque là, finalement, on va passer sur les tickets 3-4 étoiles. Bon, avec évidemment minimum 3 étoiles, une chance un peu plus accrue d'obtenir des 4 étoiles, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Faut pas forcément se focaliser que là-dessus. De toute façon, là, je m'attends pas à dropper autre chose que du 3 étoiles, hein, concrètement, sur cette loterie-là. On commence à savoir comment ça se passe. Hein. Voilà, Dego contre Deco, super. Rouge en plus, je vois même pas sur qui je pourrais mettre ça. Ah bah non, toujours pas. Un ogre du coup incomplet violet. Non, j'ai pas de. Je crois pas avoir d'arrancar violet. Je crois pas. Faut que je regarde. Ouais. Cookie. Un petit gâteau. Bon bah non. Non, 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 de toute façon, on sait comment ça marche, ça c'est un petit peu comme les tickets or de personnages, c'est des tickets 4-5 étoiles, vous savez que ça peut donner voilà, des persos en 4, voire 5 étoiles, vous savez comment ça se passe, hein. Vous avez tout le temps des personnages 4 étoiles, c'est rare les fois où vous avez des 5 étoiles avec ce genre de tickets, bah là ça va être le même délire, regarde ça, il me donne deux fois le même item, là ça va être le même délire, hein. Accessoire 3-4 étoiles, t'attends pas à avoir autre chose que du 3 étoiles, hein. Faut pas rêver. Voilà, Dego contre Teco, super. Ça, j'en ai fait le tour, mais alors. J'ai pas pris mon café. D'ailleurs, ça me fait penser. Là. Ah, fantastique. Bon, et ben, comme prévu, on a eu que de la merde. Enfin, que de la merde. Il y a eu des choses utiles quand même, mais bon. Rien de nouveau, quoi. Bon, là, on commence à attaquer vraiment les choses sérieuses. Là, là on est sûr, quoi qu'il arrive, d'avoir au minimum un accessoire 4 étoiles. Espérer avoir du 5, voilà. Oh putain. Aori de capitaine vert. Pourra peut-être servir. Pourra peut-être servir. Bon. Ce serait trop demandé d'avoir un des nouveaux Chappies ou carrément un Chappie doré. Je pense que ce serait trop demandé, effectivement. Putain, vert. Ah si, pour Onoana! Là, on va se mettre bien, là. Concentration réduite à 0, pression SP, endurance plus 3. Là, c'est bon, ça. Bah oui, moi, je table sur Onoana, parce que vous, là, avec vos Ichigo Fullbring, là, bah oui, forcément, là, il vous serait utile. Bah, vous faites chier, vous, putain de perso abusé, là. Loterie qui m'a chié à la bouche tout le long, là. Franchement. Honteux. Honteux. C'est tout ce que j'ai à dire. Honteux. Je sais pas ce que ça fait l'animation de. Trop de la balle, il m'en fallait un autre chapitre rouge. Ouais, mais c'est trop cool. Ouais, mais c'est génial. C'est Kazéchini qui va être content. Ah, oh, mais c'est formidable. Bon, on est bien avec ça. Oh, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, eh, ça va. Dans l'ensemble, les trois items 4 étoiles, il n'y en a aucun qui me déçoit. Mais vraiment aucun. On va faire un petit tour dans l'inventaire. Ah, ils sont là. Oh putain. J'ai commencé à flipper. Je les voyais pas. Oh putain. Ils pouvaient pas mettre le petit logo New. Non, à côté, histoire qu'on puisse se repérer, tu sais. Rien. Trop demander. Bon, du coup, ça me permet de maxer l'endurance jusqu'à 30%. Donc, à voir ce que ça peut donner en le passant en 5 étoiles. Si je peux avoir de la pression SP, ça finira direct sur Onoana aussi. Ce serait très bien. Donc là, bah lui, bon, bah lui c'est une évidence, hein, je vais pouvoir le monter. Pression, alors ça monte à max 10%. Ah ouais, donc là en 4 étoiles, c'est pas intéressant. Il faut le passer en 5. Bon, que ça devienne bueno. Et puis bon, bah le Chappie, voilà, bon, bah, le Chappie classique, on le connaît. Voilà, bon, bah du coup, bah, je vais vous poster ça rapidement parce que du coup, j'avais expliqué
sur le forum Facebook, en fait, que j'avais pris un petit peu de temps avant de faire cette vidéo, parce que du coup, il y avait l'assaut des Zen Pacto éveillés qui avait été mis à disposition. Donc, j'ai d'abord farmé tout l'événement permettant lui-même d'obtenir des tickets d'accessoires. Donc, j'ai entièrement farmé l'événement pour pouvoir gagner tous les tickets, toutes les récompenses. Il y avait à la clé aussi un ticket d'accessoires 4, 5 étoiles. Donc, voilà, je me voyais mal passer à côté. Donc, c'est cool. Donc, je vais vous préparer tout ça. Je vous ferai des petites vidéos éventuellement un peu plus tard sur les reviews d'accessoires pour une fois que je les aurai montés. Et puis, bah, en tout cas, bah, pour le moment, c'est ma première invocation vraiment en vidéo, grosse invocation par rapport à ce genre d'événement, et je suis plutôt pas déçu. J'aurais préféré avoir un peu plus de variété dans les distributeurs, mais bon, à la limite, on va pas se plaindre. J'ai quand même des nouveaux items, en plus de couleurs de perso, enfin, sur des couleurs de perso qui vont pouvoir m'être utiles dans des bonnes couleurs d'affinité. Donc, ça va être intéressant. Je vais voir du coup comment je vais pouvoir refaire un petit peu le stuff principalement de ma Onohana, et puis du coup, l'amélioration de Kazeshimi au travers du deuxième chapitre. Donc, n'hésitez pas vous-même à me dire ce que vous avez eu, même si certains d'entre vous m'ont déjà fait part de leur loot sur Facebook. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur la chaîne, ou Facebook, Twitter, peu importe, comme vous souhaitez, me dire vraiment vous ce que vous avez eu, en quelle quantité, est-ce que dans l'ensemble vous avez eu des bonnes chose, est-ce que voilà, vous trouvez que c'est une bonne idée d'avoir ajouté ces nouveaux accessoires, comment vous vous en servez, voilà, bon, n'hésitez pas à partager votre expérience par rapport à tout ça, je pense que ça pourrait être utile pour les gens qui, malheureusement, ça se peut aussi, n'ont rien droppé de particulier vis-à-vis de cette loterie. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, comme d'habitude, vous connaissez les bails, il suffit juste de laisser un petit commentaire sur Facebook, Twitter, la vidéo en elle-même. N'hésitez pas non plus à lâcher le petit pouce bleu, ce sera l'ultime récompense pour moi pour bien prouver que vous avez apprécié le travail effectué en coulisses. Merci à tous de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.